Non. Mais voilà, de retour à la citerne, on peut voir la tenue des voleurs. Parlons un peu. Que toutes les voleuses portent maintenant cette petite tenue sexy. Vous Il y en voulez a. parler? Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Alors oui, j'ai installé le map maker pour marqueur, pardon, map marqueur pour les mes acolytes. Semblait être plus Comme ça, proche je du sais où est-ce que je village. les laisse si jamais j'ai besoin. Vous a-t-il expliqué pourquoi cet endroit semble J'ai hanté? juré de porter vos Faut que je fantômes. change certaines choses. Oh là là, tout ce que t'as toi. J'ai oublié que t'avais plein de conneries toi. L'arc on s'en fiche, ça on s'en fiche, bâton de surzombie. Ça vaut des sous, on s'en est. T'en as pas besoin quoi je veux dire. L'armure, ok. Donc moi je te file une cape. Hein. Une cape à la con là. Une cape noire, tiens. Voilà, Si t'as c'est le une cas, cape il ne m'a dû noire. passer devant. J'ai demandé, mais ses réponses ne font que soulever Oups. de nouvelles questions. Non, moi ce que je venais faire ici, c'était juste aller voir Vekel. Vekel l'homme. Pour lui dire ouais j'ai fini ta quête. T'es où, t'es où, t'es où? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Ça aussi ils auraient pu éviter de nous Alors c'est vous foutre. que Brignolf a pris sous son aile, hein? Je ne vois pas vraiment ce que vous avez d'impressionnant. Qu'est-ce qui se raconte dans Dites-le-moi la avec guilde? le doigt mère que vous cherchiez. Ma veine était là avant votre retour et elle arborait Merci. un sourire Je immense. devrais le reste de l'or Je ne de ce l'avais pas pain. vue comme ça depuis bien Oui. longtemps. Et Je ne sais ce qui pas ce est que vous drôle, avez c'est fait à qu'elle Hydroning, avait mais elle confié vous tout le apprécie sang. beaucoup. Et Vekel mieux ne encore, rien quand elle pas. est heureuse, Au merci bout de d'un tout reste, ça. comme promis. Continuez Bon, comme bah c'est ça et cool. vous irez loin. D'accord, j'ai récupéré tous les journaux d'Arendil. Bien, j'espérais que vous n'auriez pas oublié. Comme promis, voici votre paiement. J'ai eu cet argent suite à un accord avec mon client. Combien, combien, combien? Bon, ben, tant mieux. J'ai pas du tout vu combien Même tu si m'avais vous êtes filé. les nôtres, vous n'avez pas intérêt à causer de problème. Oh, tais-toi. Bon, ben voilà. Hein. J'ai Ah, des quêtes vous en voilà. cours. Ma gueule d'orange, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Donc, maintenant, je vais aller rendre l'épée sinistrale à sa propriétaire. Et je vais en faire une acolyte. Pourquoi tant de Alors, hâte? parlons. Oh. Allez, ouvre-toi. Oh. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des plantes qui ont repoussé ici? Niette. Que dalle. Bon, une petite prière. Auprès de Talos. Voilà. Là, j'atterris je sais plus où. J'ai toujours perdu dans cette ville. Donc, Miol la Lionne, elle va être certainement à l'auberge ou à l'entrée de la ville. Comme à son habitude, je la trouve pas du premier pet, comme d'hab. Oh, elle est dans sa baraque. Oh putain, je vais pas rentrer par effraction. Chez elle, je crois qu'elle va pas apprécier. Rentrer, je peux aller chez moi, parce que j'ai des os et des trucs à poser. Et je vais vendre des objets. À Rogi. Rogi. Tu vois Rogi? Hop là. Rogi, Rogi, Qu'est-ce que tu fais dans la chambre d'un Diona? Oh, c'est bon, que voulez-vous, mon cœur? Non. Est-ce que la boutique gagne Nous de avons l'argent? réalisé des profits. Tenez, mon amour, voici votre part. Voilà l'avantage d'avoir un mari ou une épouse, hein, c'est vrai. J'aimerais que nous aurions habité ailleurs. Que vous préparez quelque chose. J'ai besoin de vous, non? Qu'est-ce que t'as à vendre? Putain, c'était la première Oh, ligne. un Hein. peu de Moi, je l'ai tout. pas lu. Bon. Donc, moi, je vais lui vendre déjà des objets que je veux pas. Tiens, la flèche. L'arc elfique. Tiens, le bâton de boule de feu, je garde. Je vais le donner à ma future suivante. Parce que je vais me débarrasser, en fait, de... Un autre portage, je peux le vendre. Parce que l'anneau de forge... le port aussi. L'armure de discrétion, je vais me la garder dans un coin. Les bottes elfiques que j'ai gardées, le bouclier.
Peux-tu lui vendre? Non. Il a plus de sous de toute façon. Moi j'ai actuellement j'ai une coupe de port d'armure. Ouais, armure 6 ans. Ah, montre ce que t'as à vendre. Oh voilà, donc je vous laisse, je vais faire quelques emplettes. Et je vous montrerai s'il y a vraiment un truc intéressant tout à l'heure. À de suite. Donc voilà, donc j'ai vendu. Enfin j'ai vendu une cape. Hein, et merde. Et donc là j'ai posé sur le mannequin, j'ai posé en fait ce que je vais pas plus me servir, mon armure de discrétion. Et les bottes elfes, parce que pour l'instant je peux pas les améliorer donc ça ne sert à rien. La cape de lin grise, celle-là, je vais me l'améliorer. La cape de forge, je la garde. La cape noire, j'aurais pu la vendre. Le casque, je peux pas l'améliorer, enfin je vais pas l'améliorer pour l'instant. Crosiste, je le garde. Le tablier de forgeron. Oh, il a disparu. Tablier de forgeron, non, je vais le prendre. Mais... Pourquoi il veut pas la mettre l'armure? Voilà. Il est très bien, cette armure. Donc il y a mes bottes, il y a mon casque, là c'est les habits que j'avais utilisés lors du mariage, là il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes là au milieu. Ça c'est un bâton de prêtre dragon. J'avais pas d'armes là. Bon, enfin bref. Donc Yona, de toute façon, je vais me débarrasser de toi. Là, il faut que j'échange des trucs avec toi. Vous êtes Montane. Bon merde, je m'en fous de ça. Je vous protégerai, allez. Vous et tout ce que vous possédez jusqu'à la mort. Qu'est-ce que Nicarlan? Faut que j'échange des trucs. J'ai juré de porter vos fardeaux. Donc, parce que tu portes trop d'armes, mais j'en récupérerai pour les filer. Bon, celui-là il est vide de toute façon. Je t'ai filé le truc de survie, tu vas le garder. Je prends des flèches de verre. Ah, j'aurais dû garder mon arc-elfe. J'ai vendu mon arc-elfe. Et en armure, la mêlée de mort. Oui bon ben, je m'en fiche, t'auras l'équipement quand tu auras. Allez hop. Et tant nous c'est pareil. Je serai dans votre demeure. D'accord. Si vous avez besoin de moi. Reste là. Donc, ah oui. Ce que je voulais faire avant de repartir. Oh, j'ai plus de casque. Hop, je voudrais une dague de. Une dague, vas-y, file-moi une dague d'un elfe. Qu'est-ce que tu as à vendre? Il y en a qui appellent ça. Dis-moi que t'as une dague. Dis-moi que t'as une dague d'elfe. Bon, t'as pas de dague d'elfe, donc on va faire ça, hein. Au revoir, mon cœur. Ouais. Tu te balades avec fantasme, toi. Tu me la perds pas, hein. Et tu t'assois souvent sur ce marteau, là. Je vais le mettre ailleurs. Tu t'assois pas dessus, quand même. Voilà, il est bien là. Et je voulais enchanter une nouvelle cape. Parce que désenchanter, je pense que j'ai rien à désenchanter. Ah, il y a des mariages, ouais, mais non. L'épée de lame. Ah, mais elle est pas enchantée, ça. L'anneau, l'armure dorée, non, pas encore. La cape de lin grise. Et je vais l'enchanter avec... pour le combat. En fait, ça va être... arme à une main et armure légère. Comme ça, ça me protège encore plus. Et la gemme spirituelle, une magistrale, l'étoile noire, tiens. Comme ça, elle sera vide. Oui, je vais l'enchanter. Merci bien. Et j'ai dit que j'avais quoi d'autre? Que je pourrais enchanter? Tiens, la cape noire. Je vais l'affiler à ma nouvelle acolyte. Arme à deux mains. Il n'y a pas un enchantement. Qu'est-ce que je peux lui donner? Ah oui, silence, merde. Il est pas. Résistance au feu. Tiens, une magistrale, et hop. Non. Je vais la renommer. Cap. Hop.
Voilà, demain est fait. Entrée et artisanat. Oui, je vais l'enchanter. Par contre, j'ai encore oublié de renommer la mienne. Ça m'énerve ça, de pas les nommer. L'armure, je sais pas encore trop ce que je vais mettre à mon armure. Donc pour l'instant, j'ai... je vais pas enchanter l'armure, mon armure elfe actuelle, pas d'enchantement. Tu ressembles à rien avec ton casque. Oh, c'est bon, enfin bref. Voir, mon amour. Là c'est du Géokin, si je me rappelle bien. Okin et du G. Le bouclier parasortis, le bouclier d'Edric. Non voilà, bon ben rien. Je crois que j'ai tout ce que je voulais. Maintenant on va s'occuper d'aller chercher Mjolnir. Et de commencer par l'équiper. Je vais te racheter l'arc, bah, tant pis. J'ai que c'est à vendre. Regardez donc. Tant pis pour l'argent. Arc elf. Allez, merci. Merci. Au revoir mon cœur. 1067 pièces d'or quand même. Hop, petit retour. J'ai oublié de déposer quelques objets. Ici. Dans le placard qui est vide, bien sûr. Parce que j'ai je me traîne mal avec des os, des écailles, des bonnes raffinées, un saphir, des peaux de vache, d'ours, l'os, l'orbe de pouvoir, un minerai de fer, minerai d'or, un bout de biforgeant, un bout de fer, un bout d'acier. Il faudrait juste que je me rappelle qu'il y a plein de trucs ici. La griffe en dragon, oui, je sais même plus pour quel site c'est. Et un cuir, ah, un commandant aussi. Et un cuir. Voilà. C'est un honneur de vous revoir. Tu dois. Bon, et maintenant. Longue vie à vous. Oh, j'aurais dû aller dormir, t'as. Au lieu d'attendre dans la rue, bêtement. Ah ben. Je l'ai pas mis en favori ici. The Walking Relax. Il cherche et voilà, elle va se relaxer. Eh ben, se relaxe pas du tout ici. Pas très relaxant ici ou quoi? Ah voilà. Let's have a break. Bon mais elle lit un bouquin et pendant ce temps, elle va attendre 2 heures de temps. Elle va lire pendant 2 heures de temps. Et comme ça, Mjol la Lionne va certainement sortir de chez elle. Si je regarde à ma carte... Local. Mjol... Oh, elle est encore chez elle. Bon, j'attendrai une heure de plus. Finir de lire le bouquin quand même. Bon, elle veut pas sortir, c'est ça. Moi, je lis mon bouquin, tranquillo. Bon, j'allais te visiter sa maison, t'es. L'autre, il se presse toujours. Je n'ai jamais vu Mjol aussi contrarié. Cette ville lui porte vraiment. Mjol m'a dit qu'il y avait des endroits bien plus agréables dans le monde. Un jour, peut-être, je partirai voir si elle a... Alors, Mjol. Bienvenue. Vous n'êtes pas non plus du coin, hein? Voilà, donc j'ai activé le marqueur de Mjol et j'ai localisé Sinistral, voilà. J'en reste quat. Vous avez réussi à la retrouver et en plus vous êtes encore en vie pour en témoigner. Mais disons que ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai rarement rencontré lors de mes voyages d'être aussi doué que vous. J'ai encore beaucoup à apprendre. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je serais honoré de vous accompagner un moment dans votre voyage. Suivez-moi, j'ai besoin de votre aide. Je suis sur vos talons. Mjol m'a offert la sécurité, la sérénité. Bon, Mjol. J'ai l'épée qui me démange. Quelques bonnes leçons d'escrime. Là, parle-moi de la famille Ransomor. Non, faut que j'échange certaines choses avec toi. Aucun problème, je peux porter de grosses charges. Donc, qu'est-ce que tu as? Hache d'armes, orc. Oh, tu vas te battre avec la hache d'armes. Pour que t'as cette superbe épée de glace. C'est déroutant. Et en armure, d'accord, tu utilises ton armure perso.
Donc, je vais te filer la cape. Deuxième de feu. R, lui donner. Il a une cape noire maintenant, Miol. Un bouclier de verre. Je sais pas si elle l'utilisera, mais moi je vais m'équiper de ça. Je m'équipe de ça. Crozis. Mince, Crozis, c'est pas celui. Oh mince, j'ai plein de trucs que je voulais poser. Je voulais te donner. Je m'équipe de celui-là. Je vais garder que le bouclier de verre. Ah oui, arme. Je voulais te donner. Ça. 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 Et bien voilà. Je pense que c'est bon. Tout est prêt. Allons-y. Oh, t'es pénible à utiliser ta hache alors que t'as une superbe épée. J'espère qu'un jour cette ville sera débarrassée de la corruption. Et que nous pourrons... Oui, on pourra un jour, peut-être. Donc voilà, et maintenant, Miol, viens avec moi. Nouvelle acolyte. Bon. Donc sur ce, je vais faire une petite pause pour vérifier bien que... En fait, il faut que je me rende... Oh mince, je n'ai pas la carte locale, voilà. Qu'il faut bien que je me rende... c'était où ici, là, au ruine de la grande porte. Bon, j'allais vérifier ça et... Je reprendrai la partie en suivant. Donc voilà, ben... Hop, c'était F5 que je voulais faire déjà. Voilà, donc je suis équipé. Les gens disent que Bordeciel est la province la plus dangereuse de Tamriel. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais rien vu de plus beau. Et je suis fière de... Elle va parler tout autant. Ah oui, c'est ce que je disais. Le mode modifie aussi les habits des citadins. Vous avez trouvé ces ingrédients? Ouais, Ingun, elle était pas habillée aussi sexy que ça. Hein. Elle avait une robe longue et tout ça. Alors bon, pour certaines personnages, ça va. Mais quand vous rencontrez... non, toi ça va. Ils s'en fichent. D'autres personnages, ça choque un peu. Et donc, mais bon, après, je sais pas du tout sur quels habits c'est. Et... Donc, elle a des habits normaux qui n'ont pas été modifiés. Ouais, ça, c'est modifié. Ah bon. Mon époux Berzi ne me survivra pas. Il passe plus de temps à s'inquiéter pour Fayez qu'à... Oui, elle s'en... aussi, elle a une tenue bien sexy. Donc, bon, je regardais si ça modifiait pas au moins les... événement de quelques-uns. Bon, mais donc on refait F5. Je vais aller voir ça et à de suite pour la suite.